Honnêtement, Mali, je ne sais pas quoi te dire. Bébé, tu ne peux que me dire oui, ok? Dis-moi oui et laisse-moi tout le reste. Tu ne dois pas oublier que ton ami, c'est mon ex. Ce n'est pas vraiment important, ok? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je m'intéresse énormément à toi. Écoute, j'ai aussi une surprise pour toi. Tu peux regarder dans le siège arrière. Quoi? Toi, vas-y. Je vis. Et alors? C'est un cadeau pour toi. Je sais que tu ne pouvais pas l'accepter venant de moi. Mais je voulais quand même te les donner. De tout mon cœur. Essaie juste de faire avec. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Merci quand même. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? J'ai juste vu quelque chose là. Ce n'est rien. Oui, ce n'est rien. Je vais bien maintenant. Tu sais quoi? Je me dirige vers mon nouveau appartement que je pris récemment. Je te rappelle plus tard. D'accord, alors, je vais attendre ton appel, ok? Oui, laisse-moi le temps, je vais te rappeler. Ok, bye. Bye. Ma fille, maman, si cela ne dépendait que de moi, j'aimerais que tu restes. Tu m'aides réellement. Et d'ailleurs, mon fils ne sait pas ce qu'il est en train de manquer. Il ne fait que se plaindre. Hein? Mais c'est comme ça. Maman, vous avez besoin de moi, mais pas tout le monde, je crois. Alors, vous savez mieux que moi, je suis stérile et personne n'aura besoin de moi. Tu n'es pas stérile. Tu attends le moment opportun. Hmm? Tu n'es pas stérile. N'utilise pas ta bouche pour confesser la négativité. Il faut enlever la négativité dans ta bouche. Tu comprends? C'est bien. Maman, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire moi-même. Ne vous inquiétez pas.
Allô? Qui es-tu? Quoi? Quand? J'ai parlé avec lui hier. Comment c'est arrivé? Annabelle, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Donc Malik n'est plus. Oh, Seigneur. Mon Dieu. La vie n'est vraiment rien. Oh, merci ma chère. Mon Dieu. J'étais avec lui hier. Mais non, mon Dieu, franchement, cette vie n'est rien. Je peux pas y croire. Mon Dieu. Quelqu'un qu'on a parlé hier. Allô? Oui, c'est moi. J'ai gagné 1 700 000. Comment? Écoutez, je ne me souviens pas d'avoir joué à ces jeux. Les mois passés? Ok. Mon ex-petite amie, on était avec lui. Ok, je vais voir. Je vais voir comment faire. Oui. Au bureau, ok, envoie-moi l'adresse. Je vais voir comment régler ça. Oui. Merci. Je crois que de nous accorder cette branche parce que ça nous a pris beaucoup de travail. Honnêtement, nous avons travaillé si dur pour ça. Si dur. Rappelle-toi de l'année passée, les choses ont été très difficiles. Toutes ces choses qu'on devait sécuriser n'étaient pas du tout faciles, c'est très magique. Elles étaient bien vraiment sûr. Magiques. Bien sûr, oui. Monsieur Oko, monsieur le directeur régional. Ne va-t-il pas nous décevoir? Qu'ils le veulent ou pas. Tu vois tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment... Salut, beau gosse. Salut. Salut. J'espère que tu as déjà envoyé ce dossier, parce que c'est pour la réunion que nous aurons le lundi prochain. Regarde-moi comment tu y es, très jolie. Et merci. Aussi intelligente. J'ai beaucoup à faire et c'est vraiment urgent. Sans effet. Quelle taille. Hein? Oh, voyons ce qu'elle est en train de parler de... Tu sais, toutes les femmes sont belles à tes yeux. Et comment à propos de ta femme? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as vraiment embarrassée. Dois-tu m'offrir les jus lorsque je viens te visiter? Je ne suis pas étrangère ici. Tu n'es pas une étrangère, mais tu es ma visiteuse. Alors, je dois bien prendre soin de toi, les boire. C'est pourquoi tu m'as offert ces jus, n'est-ce pas? Arrête de parler, moi juste un verre. Je sais que ton mari sera fier avec toi. Parlons de ton mari. Comment va-t-il déjà? Alex va bien. Il sort très tôt ces derniers temps.
Très tôt comme ça, je pense que vous faites votre dévotion matinale avant qu'il ne parte au boulot, n'est-ce pas? C'est ça le problème, tu sais, Alex, travaille dur pour sa promotion au travail, alors cela fait qu'il ne me donne plus assez de temps comme avant. Ce n'est pas si facile, je le pense. Exactement. Laisse tout entre les mains de Dieu. Et je suis sûre, avant la fin de l'année, tu entendras les cris du bébé dans cette maison. Amen, amen. Ouais. Trinquant. Dis-moi, c'est comment pour la réunion? Ça s'est bien passé? Non. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Elles attendent mes appels. Non, tu dois les appeler. Je n'appellerai personne. Tu dois appeler. Je ne veux pas perdre mes crédits pour quelqu'un. Ah, tu es là? Tu es de retour de l'église? Oui. Honneur bien. Je pense que tu as déjà pris tes médicaments aujourd'hui. Je l'ai pris au Didoma. J'en prends, mais c'est comme si le médicament n'a pas d'effet. Ah. La douleur ne fait qu'augmenter. Oh, ça ira, ok? Oh, doucement. Mais tu sais que je suis une femme forte. Oui, c'est vrai, tu l'es. Désolé, mais je veux au moins que tu te sentes confortable ici. Peu importe ce que tu veux, de l'intérieur ou de l'extérieur, fais-le-moi juste savoir. Je n'ai besoin de rien. Ah, comment? Je suis à l'aise. S'il te plaît, calmement. Aïe, vas-y doucement. Ça va. Désolé, hein. Je dis que je n'ai besoin de rien. Oh? Pourquoi? Notre fils, quand a-t-il dit qu'il viendra nous rendre visite? Ah, voilà encore. Je ne sais pas, il a promis de venir le week-end prochain. Mais je ne sais pas s'il a déjà changé tous ses plans. Tu connais très bien ton fils, Alex. Il est deux fois très bizarre. Comme son père, Je savais c'est ce que tu allais dire. Maintenant qu'il est bizarre, il est comme son père. Et lorsqu'il se comporte bien, donc là, c'est la copie de sa mère. Voilà. Dis-moi, pardon, je veux la paix. Hein? Je veux la paix, pas de dispute. C'est quoi ça? Écoute, est-ce que tu peux un peu arrêter tout ce que tu dis de mal? Qu'est-ce que tu veux faire là? Il y a de la place là-bas, non? Je ne sais rien. Seulement près de moi. Malgré tout le reste, notre enfant, nous devons l'aimer. Non, c'est la paix, oh. Mon mari, comment s'est passée la nuit? Comment? Je te vois en train d'écrire. Je l'espère aussi. Seulement que le travail me stresse beaucoup. Ok, je vois. Chérie, je veux que nous marchions ensemble. J'attends l'arrivée de cela. Oui, je te comprends. Chérie, nous devons prier. Même quand les choses vont bien ou tout va mal, nous devons prier, même pour la vie que nous avons. Et tu sais très bien comment je travaille dur. Et tu sais très bien que j'ai toujours le temps le matin pour toutes ces choses. D'ailleurs, qui te dit que je ne prie pas quand je suis au bureau? D'accord, j'ai compris. Nous avons une nouvelle adresse. De toutes les façons, si papa t'appelle, tu dois lui demander si on doit venir le week-end. Ils m'ont dit qu'ils t'appelaient, mais tu ne prends pas ses appels. Alors, j'étais occupée. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce qu'on va aller là-bas? Je ne pense pas. Tu devrais être celle qui doit partir parce que je ne pouvais pas prendre au téléphone parce que j'étais vraiment très, très occupée là. Et c'est sûr, je dois retourner le lundi et c'est toi qui dois partir. Chérie, sacrifie-toi qu'on parte, non? Sacrifie-toi qu'on parte. Je crois que nous l'avons pas traîné, je crois. S'il te plaît, s'il te plaît. Permets-moi de finir ce que je suis en train de faire. Je suis très fatiguée, s'il te plaît. C'est toi qui vas partir, alors ne me force pas. Sans problème, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit.
Cela peut signifier beaucoup de choses. Car ce n'est pas encore décidé. Et rien de toxique. Ne pourra jamais sortir de là. Rappelle-toi toujours de ça. Bonjour, moi voisine. C'est vraiment vous qui êtes là? Oui, bonjour monsieur. Ok, je suis votre voisin le plus proche. Oh, ok. Je suis Alex. Je suis Lida. Plaisir de faire votre connaissance. Je t'en prie. Heureux de faire votre connaissance. Je t'en prie. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Soyez la bienvenue. Oui. Bien, j'espère que vous adorez l'appartement aussi. Oui, bien sûr. C'est un endroit très très calme, vous allez apprécier. Ouais, j'aime. Alors, vous êtes vraiment la bienvenue. Merci. Alors, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Waouh, bienvenue. Merci. Allô, papa? Ça va un peu bien, papa. Désolé, je ne pouvais pas vous relancer hier parce que j'étais vraiment, vraiment occupé avec le travail. Oui. Alors, comment vous allez? Papa, s'il vous plaît, hein,
S'il vous plaît, papa, je ne saurais pas le faire, hein. Mais patience viendra vous rendre visite. Elle viendra rester avec vous pendant tous les week-ends. Et elle pourra même rester pendant longtemps. Elle peut rester pendant longtemps. Elle peut rester pendant longtemps avec vous, même pour une semaine, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème, je vais le faire comme ça, hein. Papa, s'il vous plaît, dites à maman, je vais envoyer ces histoires au travers de patience. Ça va arriver. Je vous promets qu'elle va rester avec vous pendant longtemps. Hein? J'ai beaucoup de travail. Le travail est beaucoup lourd plus que mon papa. J'ai pas ce temps-là. Ça pèse vraiment sur mes épaules, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, elle viendra vivre avec vous. Oui. Oui. Elle peut rester pendant longtemps. Elle peut rester pendant longtemps, il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir, messieurs. Bonjour. Oh, salut. Alex, bon, désolé, j'étais vraiment occupé qu'on ne pouvait pas parler. C'est bon. Y a-t-il un problème? Oh, non, pas du tout, il n'y a pas de problème. J'avais juste pensé que vous aviez besoin de mon aide depuis que vous avez aménagé dans votre appartement. Alors, il en était question surtout pour l'arrangement. Je ne sais pas, vous pouvez avoir mon aide d'une part. Et d'autre part, un coup de pouce dans tout ce que vous faites dans la maison, je sais pas. Je veux juste vous aider. C'est vraiment gentil de ta part, mais le portier m'a déjà aidé à faire entrer tout à l'intérieur. Tout est déjà fait. Vous parlez du portier? Oui, oui. Bon, je comprends. C'est pas une grande affaire. Bon, je comprends. Mais est-ce que je peux entrer chez vous? Je sais que c'est un peu surprenant parce que tu ne t'attendais pas à ça. Et quoi qu'il en soit, c'est pas un problème. Juste besoin de famille. Ma fille, maman, aucun mariage n'est parfait. C'est un processus continu. Tu ne seras plus la même mère et lui non plus. Vous revenez de différents endroits. Tu me comprends? Même nos parents ont toujours eu le même problème de rester ensemble. C'est pour dire qu'ils sont deux personnes qui reviennent de différents endroits. C'est ça le problème. Quand le temps viendra, tout va bien aller. Oh, quand tu ne prends pas soin de toi, à la fin de la journée, il va rester avec les femmes. Alors, essaye de faire des efforts.
Tu as compris? Maman, je fais de mon mieux. Même Dieu le sait. Mais parfois, je comprends qu'il ne veut plus de moi. Parce que peut-être, je ne lui ai pas donné un enfant. Es-tu Dieu pour te donner un enfant? Écoute-moi. Je suis restée 8 bonnes années. Avant que j'aie la grossesse de ton mari. Et mon mari était très patient. Oui. C'est pourquoi sois calme. Quand le moment viendra, tu auras des enfants. Tu me donneras de petits-fils et de petites-filles. Hein? Tu n'as aucun problème, ça va. Amen, maman. Merci beaucoup. Tu es la seule qui me rend heureuse. C'est pourquoi je suis ta mère. Êtes-vous ce que je dois aussi passer par là? Te dérange pas. Ne te dérange pas. C'est juste la façon dont tu te prends. Comme je l'ai dit, prends soin de ta maison, arrange ta maison. Tu verras qui sera de retour. Oh? Oui, merci beaucoup, ma maman. Ça va. Tu as vu ces pieds-là. Hein? Ces pieds ici me donnent une grave douleur. Alors, maman, que devons-nous faire pour éliminer cette douleur? C'est le management. C'est le management. Je pense que je devais prendre soin de ça tout ce temps. Désolée, maman. C'est comme ça. Aïe! Pardon! Désolée, maman. Désolée. Alors, les hommes sont très, très aveugles. Honnêtement, avec moi, autant belle que tu y es, tu n'es pas mariée, tu n'es pas non plus fiancée. Tu n'es pas non plus dans une quelconque relation. Et qu'est-ce que les hommes célibataires font? Je ne sais pas, mais j'apprécie quand même ces genres de relations. Mais dans tous les cas, les hommes sont toujours le même. Non, je refuse de l'admettre. En fait, certains hommes sont mauvais, oui. Mais moi, je suis une exception à propos de ça. Parce que je ne pense pas que quelqu'un doté de ses cinq sens pourrait blaguer avec une fille comme toi. Tu es très mignonne et tout le monde peut le voir. Je ne pense pas qu'il te mérite. Ça, c'est ma vie, hein. Ça n'engage que moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Es-tu mariée? As-tu une relation quelconque? Bien, je travaille dans une firme. Oui, malheureusement, je suis marié. Ce n'est pas vraiment ça. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que... Oui, c'est comme ça, malheureusement. Pourquoi tu dis ça? Tu ne vis plus avec elle? Bien, je vais demander pourquoi. Ça, c'est une très très longue histoire. Ok, oui. Bien sûr, je vis avec elle, mais elle a voyagé, elle est allée au village. Elle y sera vraiment pendant longtemps. Ok. Et maintenant, je suis juste un peu détective, comme je le dis. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai juste fini mes études au Ghana. Bien, je cherche à ouvrir une petite boutique. Alors, s'il te plaît, est-ce que je peux t'aider? Okay. Merci. Ça, c'est une bonne chose, en fait. C'est merveilleux. Et il est un peu difficile pour moi, très difficile de voir une belle fille travailleuse. Elles sont paresseuses. Mais toi, ce n'est pas vraiment le cas. Oui. j'espère que tu sais, je veux te soutenir dans ce que tu veux faire. Tu peux avoir des rêves et on peut faire avec. Es-tu sérieux? Oui. Oh, c'est vraiment bien. Ce sera bien. J'ai vraiment apprécié, mais j'espère que tu ne vas pas troubler ma tête. Je ne veux pas de problèmes. Et tel ne sera pas le cas. Oui, parce que j'ai du travail et souvent je reviens en retard. Telle est ma politique.
Et tu sais, il y a quelques décisions prennent vraiment la première position sur chacun de nos choix. Et surtout, dans la vie, il y a quelques requêtes qui font à ce que quelqu'un vienne à la compréhension. Et après, il nous arrive de rectifier certaines erreurs que tu n'étais pas totalement convaincu. Et ça, c'est la vie. C'est la vie. Et j'espère vraiment que je mènerai ce combat. Quand il en sera le moment. Je ne crois pas que tu es sûr de ce que tu dis. Je suis sûr que tu vas y arriver et on réfléchira de la même façon. Tu sais, je suis énormément fâché contre toi. Tu ne peux pas utiliser cet argent et le mettre dans ton compte personnel. Et telle est la raison pour laquelle je n'étais pas venu hier. Et quand la personne m'a appelé au téléphone, j'étais obligé de faire cet arrangement. Est-ce que tu as déjà remis le même montant dans le compte précédent? Mais j'ai envoyé toutes ces choses. C'est la première tâche que j'ai remplie ce matin. Ok, c'est bon alors. Comment va ta femme maintenant? Parce que c'était la raison pour laquelle tu avais quitté le boulot selon ce que la secrétaire m'avait dit. Ma femme, c'est vraiment d'elle qu'on doit parler. Ok, ce n'était pas à propos de ma femme. C'est pas vraiment que je voulais faire illusion passion parce que je voulais vous appeler. Parce que j'avais essayé même. Ce n'était pas à cause de ta femme. James, écoute, il y a une très belle créature dans notre parcelle. Une femme, vraiment. Et cette dame est une déesse de beauté. Hyper belle. La toute première fois que j'ai posé mes yeux sur elle, j'étais vraiment tombé. Et après 5 minutes, j'étais vraiment du ouf. Compliqué. Je veux dire, elle a vraiment pris ma pensée en l'air. Elle est tellement belle. En fait, je dois la voir, moi, telle que je suis là. Et je ne vais pas la laisser comme ça. Oh, mais mon Dieu. Je ne peux pas croire que c'est toi qui parles de tout ça. J'allais dire... Où s'est trouvée ta femme pendant que tout ceci s'est passé? Je suis un petit enfant. Je suis un petit enfant. Hein? Non, mais elle a voyagé. Mais il faut dire que... Mon cher, tu me connais. Tu me connais, mon cher. Et tu connais combien j'ai de la passion pour les femmes belles mais battantes. Cette femme a vraiment le monopole de beauté. Elle est vraiment la lumière du monde. Oh! Elle est les pures cadeau du monde. Essaie juste de me rappeler, Alex. Alors, pourquoi as-tu épousé ta très belle femme? Oh, s'il te plaît, je te permets pas de gâcher ma joie, non? Nous parlons de très bons choses, tu veux tout ruiner. Ok, bien. Avant que nous arrivions à un grand problème, laisse-moi te rappeler que ici, c'est un bureau. Ici, c'est notre bureau. Je te rappelle que nous avons énormément du boulot à faire ici et nous devons chercher des stratégies, comment faire et chercher comment résoudre ces problèmes. Monsieur le grand travailleur, laisse-moi te faire comprendre une chose. Et suis-je vraiment le seul à retarder tout le travail de cette entreprise? Calme-toi, essaye de t'apaiser. Hein? Ça c'est mon travail. Pourquoi à tout moment du travail, qu'est-ce que c'est? Si ceci pourrait t'aider, laisse-moi te dire que les chats ne peuvent pas manger l'oiseau. L'oiseau qui tourne autour de son cou. James,
les plus grands coachs de motivation. Le numéro 1 dans cette communauté. S'il te plaît, passe-moi la clé USB. Tu ne fais que gâcher notre causerie. On ne peut pas aussi aimer le travail plus que sa vie. Hein? Parfois, tu dois te réjouir. Sache qu'on n'a pas beaucoup de temps dans sa vie. À tout moment du travail, il n'y a pas de problème. Tu ne fais que parler de la vitesse, toujours de la vitesse. Hein? Et quelqu'un comme toi te comporte toujours comme un vieux. T'es désolé, ne font que voir où il y a du travail. Tu es concentré au travail. Tu ne fais que suer pour le travail. Et regarde comment tu es devenu. Oui. Oh, regarde-toi. Viens ici, je t'attends. Allô? Oui, tu as fermé? Ok, fais vite, je suis là. Désolée, ma chérie. Oui, ma chérie, j'attends mon électricien. Je l'attends ici parce qu'il doit me fixer quelque chose à la maison. Allez, ma chérie, laisse-moi te demander. Quand vas-tu m'emmener dans ton nouveau appartement? Regarde-moi, c'est là. Combien de fois je t'ai invité et tu ne fais que me promettre. Peu importe. J'espère que tu m'as préparé un très bon poisson aujourd'hui. Annabelle, toi avec le poisson. Oui. Oh, qui m'appelle encore à cette heure? Allô, Alex? S'il te plaît, je peux te rappeler? Ok, merci. Hé, hey, Alex ou quoi? S'il te plaît, ma chère sœur et amie, c'est qui encore Alex? C'est juste énorme. C'est pas ton problème, s'il te plaît. Tu aimes beaucoup les hommes. Dis-moi. Alors, dis-moi, j'attends. Alex est marié. Il n'a rien d'autre pour moi. C'est juste quelqu'un qui m'a aidé pendant que j'ai aménagé. Ma chérie, tu n'as pas besoin de te compliquer pour chercher à me faire comprendre. Peu importe, le plus important est que il est d'abord là. Pardon, Fumaka, tu n'as pas entendu quand je t'ai dit qu'il est marié? Ah, et il n'y a rien qui change. Les hommes restera toujours les hommes. Écoute, mon ami, fais ce que tu penses. Tant que ce gars fasse jouer très bien son rôle, il n'y a rien à craindre à propos de ça. Oui, il n'y a rien à craindre. Peux-tu me rappeler où je t'ai connue? Peu importe. J'avais ces pressentiments que ma chère amie avait besoin d'une relation depuis longtemps. Je le savais très bien. Et voilà que c'est arrivé. Ok. Je veux plus de ça. Hein? Je t'ai pas bien entendu. Tu ne veux plus de ça? Tu ferais mieux d'oublier le passé et de profiter du présent. Est-ce obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Oh. Pardon, mais tu dois m'écouter. Oh. Alex. Mais attends, tu m'as pas répondu. Pardon, est-ce obligatoire? Allez, laisse-moi. C'est garé où? Il ne décoche pas le téléphone. Nous allons mourir ici. Je n'irai nulle part. Oui, je te dis. Salut, beauté. Salut, Alex. Oh, comment allez-vous? Je vais bien. Comment ça va? Bien, merci. Tu es le bienvenu. J'espère que ce n'était pas difficile pour toi. Non, pas du tout. Je veux dire, j'ai été ici plusieurs fois. Salut, Alex. Vraiment. Désolée, mon amie Annabelle. Waouh, Annabelle. Annabelle, Alex. Un plaisir. Ravie de te rencontrer. Mon ami que tu vois me parle beaucoup à propos de toi. Vraiment? Oui. Ne la suis pas, c'est du mensonge. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de prendre? Je voudrais que nous prenions quelque chose de, vous savez, le poisson peut-être. Et oui. Et un peu de poisson. Ouais, c'est la vie de poisson. Ah oui.
Alors, on y est. Ah, vraiment. Attention, sois calme. C'est bon. Calme-toi, apaisse-toi. Laisse-moi fermer. Au lieu juste de dire aide-moi, donne-moi les pieds. Ok. Calme-toi. Ok. Vraiment. Ça va. Merci beaucoup pour la soirée. Laisse-moi te remercier pour ce que tu as fait. En tout cas, c'est de bien. C'est bon. Et qu'allons-nous faire maintenant? Non, pas encore, arrête ça. C'est très mal. En tout cas, je veux pas. D'accord. Bien sûr, je veux le faire. Non, ne t'inquiète pas, c'est bon. Tu mérites toutes les bonnes choses. Je me sens vraiment très mal. Je ne devrais pas faire ça. Il n'y a rien d'avoir honte, ma chère. Je veux dire, nous avions toutes les bonnes raisons. On est âgé, on sait ce qui est bon pour nous. Il n'y a rien qui puisse faire ce qu'on ait honte. C'est facile à dire pour toi. Alors, je ne vais pas te mentir. Je pense beaucoup à toi. Je ne veux pas que tu puisses avoir honte sur quoi que ce soit. Il n'y a que toi et moi. Tu dois croire en moi. Ok? Et je voudrais te faire un transfert aujourd'hui pour que tu puisses avoir ta boutique et que tu commences tes affaires. Et juste pour te faire comprendre que je suis là. Excuse-moi? Tu me payes pour le sexe? Non, dis-moi, tu veux me payer pour le sexe? Non. Ma chère, je suis désolée. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Je veux juste te transférer un peu d'argent de telle sorte que tu démarres avec tes affaires pour que tu ne manques jamais à faire. Tu es vraiment une femme décente et tu es vraiment une femme travailleuse et indépendante. Je veux juste passer pour quelqu'un qui t'aide, pour toi et pour te venir en aide. Je m'inquiète beaucoup pour toi et tu ne peux pas être comme ça. Non, non. Et s'il te plaît, comprends. Ok. S'il est dit bien. Je t'assure. Ok. Merci. Mais promets-moi que cela ne va plus se répéter. Et je souhaite même pointer mon cœur dans ça.
quand tu iras en ville, amène-moi ces tricots. Ok, ne l'oublie pas dans un sac. Oh. Il faut vraiment amener ça, ok? Ok, maman. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Papa? Oh, ma très belle fille. Elle est déjà prête. Oui, je peux d'ailleurs le voir. Ok, arrange bien tes affaires. Maman m'a donné un cadeau que j'ai tellement aimé. Vraiment, je savais qu'elle allait le faire. Très bien. Oui, merci. Ma fille. Papa? Laisse-moi te dire quelque chose. Sois toujours assidu à la prière. Reste concentré dans la prière. Je demanderai aussi à ton mari de t'accompagner dans les jeûnes et prières. Sa mère et moi l'avions élevé dans ça. Et il sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas se séparer de ça maintenant. Il sait que la prière, c'est aussi la clé de la vie d'une personne. Rappelez-vous de ça. Exactement. Ce n'est que Dieu qui peut donner à des parents des enfants. Ha. Alors, aucune personne, à cause d'une raison ou de quoi que ce soit, ne doit blâmer son partenaire pour le manque d'enfants dans les mariages. Hein? Papa, merci beaucoup. Mmh. Dieu va vraiment vous bénir pour moi. Il va je suis vraiment bénie de vous avoir comme mes parents, car parfois vous me faites oublier tout ce que j'ai comme des problèmes. Je suis vraiment fière de vous. Merci beaucoup. Comme je l'ai toujours dit, ne te mets pas de la pression parce que tu n'as pas d'enfant. Non. Ça non, va arriver quand Dieu voudra. Oui, merci maman. Ne t'inquiète pas pour ça. Ma fille, je remercie Dieu que ton nom ait patience. Mmh. Sois toujours patiente avec Dieu. Les enfants viendront. Autant voulu de Dieu. Merci beaucoup, papa. Et faudrait maintenir une bonne relation et une bonne communication avec ton mari. Et si je ne reviens pas à temps te rencontrer, le Seigneur sera ton conducteur. Amen. Amen. Bon chemin, ma fille. Que Dieu vous bénisse, papa. Ma femme, je m'en vais maintenant. Ok, va emballer tes histoires. Après tes affaires, je vais t'accompagner en route. Oh, maman. Merci beaucoup, maman. Ma belle fille. Oh. Chai. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, arrête ça. Sans effet. Désolée, calme-toi. J'ai très mal, j'ai très mal. Désolée, Léon. C'est quoi donc ça, n'importe quoi? Donne-moi tes mains. En nom de Jésus. Bébé, donne la main. S'il te plaît, j'ai mon bébé, prions, nous allons faire les retours à l'expéditeur. Oh Seigneur, entre tes mains, je te recommande mon mari. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ton esprit, de briser et anéantir tout ce qui ne t'appartient pas au nom de Jésus. Je prie, oh Seigneur Dieu, je prie, oh mon Dieu. Bébé, je n'ai pas encore fini. Seigneur, nous revenons encore à toi, chasser, Seigneur, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne provient pas de toi. As-tu vu le mail que je t'ai envoyé? Je n'ai pas vu ça. Mon email n'est pas fonctionnel. Je suis en train d'essayer de l'activer. Je t'ai transféré un mail venant de la compagnie de White Death.
Nous venons de perdre ces contrats très très importants. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment? Est-ce que tu sais que tous les documents que nous avons présentés étaient vérifiables? C'est un peu étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, les directeurs étaient très fâchés ce matin. Il était très fâché avec tout le monde dans le bureau. Est-ce que tu l'as vu? Non, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Je les avais tous mis dans le sac. Je pense que tu dois aller le rencontrer à la maison. Tu as fait toutes choses selon ses directives. Nous nous sommes même engagés financièrement. C'est inacceptable. Où, par où commencerai-je à défendre toutes ces choses? Par où commencerai-je? C'est vraiment un problème. Ça, c'est vraiment un grand travail pour moi. Merde. Salut! Waouh! Qu'est-ce que je vois là? C'est bien moi! Sois la bienvenue! Merci! Je t'en prie! Waouh! Ma chérie a vraiment excellé! Merci! Ça, c'est vraiment exclusif! Ta place est vraiment magnifique! Je te l'ai dit sans te flatter! Crois-moi! Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne fais que l'arranger, ma chérie, parce que l'opportunité ne vient qu'une seule fois! Ça serait! Voilà. Tu dis la vérité, mais crois-moi, cet homme est vraiment magnifique. Peu importe, je te crois. Je te le dis, il est vraiment gentil. Il est vraiment l'envoyé de Dieu pour toi. Ah, écoute, oui, hein? Tu dois bien garder cet homme. En tout cas, tu dois vraiment profiter. Oh. Cela n'est pas mauvais et surtout, tu dois bien économiser. Oui, ma soeur, je sais, oh, mais je dois faire très attention. Je ne veux pas qu'on puisse détruire ma figure. Un jour, quelque chose peut arriver. Mmh. Tu es un enfant? Ma chérie, tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. Sois tranquille, rien va t'arriver. Crois-moi. Tu penses que quelque chose peut t'arriver tant que je suis là. Arrête d'avoir peur, ma chérie. Je n'ai pas vraiment peur, mais je dois quand même faire attention. Attends, laisse-moi prendre ma part, ok? Ok, ok, choisis ce que tu veux. Laisse-moi choisir ce que tu veux. Choisis de belles chaussures. Arrête de dire ça. Laisse-moi choisir tout d'abord. Je serai vraiment classe, crois-moi. Regarde, tu as vu de l'autre côté, va voir là-bas, va voir. Écoute, je pense que tu as choisi de bonnes qualités, hein? Tu me connais, non? Ma chère, arrête du bruit, prends juste un. Arrête ça, je prends quand même deux, arrête. Ça vraiment, c'est très joli. Mais oui, ça c'est vraiment ce que j'adore. Oui, c'est très joli ça, tu peux prendre ça. Ok, tu peux prendre ça, ça suffit. Assieds-toi là. Non, laisse-moi ajouter quand même, hein. Bébé. Bébé, s'il te plaît. J'ai une journée très difficile au travail. Non. Oh, non. Je veux juste que nous passions un bon moment. Et c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que ce soit un combat? La manière dont je t'entends de me battre dans le passé, et c'était quoi le résultat? Et pour quelle fin? Comment peux-tu dire ça, bébé? Suis-je dit? Bébé, passons nos bons moments et du reste, Dieu va s'en occuper. Non mais s'il te plaît, c'est quoi ton problème? Ne sais-tu pas que je suis fatiguée? Je suis très fatiguée, j'ai eu une journée très très difficile, hein? Ah,
Mais quand je te parle de choses sur ma fatigue, toi tu es là en train de te faire problème. Et pour quelle fin? Mais je t'ai expliqué, tu ne comprends pas toujours. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Je veux te rendre heureux et tu me parles avec ces dents. C'est quoi ton problème? C'est quoi avec toi? Et pendant que j'étais en train de stresser et souffrir, tu étais là. Dis-moi ce que tu étais en train de faire. J'ai gardé toute ma dignité pour toi et j'ai souffert pendant tout ce temps ici. C'était pour quelle fin? Dis-moi. Donc je ne mérite pas passer des moments avec mon mari, c'est ça? Est-ce que c'est un problème pour toi que tu puisses donner à ton mari sans demander? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est pourquoi on doit continuer à essayer. Je ne suis pas un acteur porno pour continuer à essayer. Je ne suis pas un acteur porno. Tout ce que tu fais, c'est demander le sexe le matin, à midi et le soir. Pour quelle fin? Hein? Je vois, c'est parce que tu es toujours à la maison. Laisse-moi, je n'ai plus besoin de ça. Toujours à la maison. Tu es à la maison, tu n'as rien à faire. C'est pourquoi tu demandes à tout moment le sexe. Parce que si tu avais des choses à faire, tu ne pouvais pas être en train de demander à tout moment le sexe. Est-ce que le sexe, c'est une gymnastique? Tu le demandes le matin, à midi et le soir, mais tu n'arrives pas à concevoir. Et tu veux que je puisse stresser mon corps? Pourquoi? Je suis désolée, mais continuons d'essayer. Continuons, tu vas... Laisse-moi. Qu'est-ce que je vais apprécier? Je vais apprécier quoi? Regarde, attention. Je ne suis pas d'humeur. Je veux dormir. Je veux vraiment m'étaler au lit. J'ai pas besoin de ça. La séparation. Juste parce que je vais te rendre heureux. Je ne te blâme pas. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Dieu va me juger. Dieu va me juger. À cause du sexe. Dieu va me juger. Et tu es en train de pleurer. Tu dois avoir honte de toi. Et tu devrais avoir honte de tes démons de cessant du sexe. Parce que tu es honteux. Je regarde mon mari. Regarde mon mari. Bébé, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent d'aller à l'hôpital. J'ai un rendez-vous avec le docteur. Bien sûr, ton discours de chaque jour. Bébé, j'ai besoin d'un peu d'argent. Et peut-être c'est toi qui dois sortir aller chercher de l'argent. Et tu vas comprendre combien c'est difficile de chercher de l'argent. Ce sont des très jeunes filles comme toi qui travaillent dur là-bas. Et elles se font de l'argent sans aucun soutien. Pour elles-mêmes et pour leur famille. Mais non. Tu restes dans ma maison du matin au soir. Et là tu as les culottes de demander de l'argent. Et on va te voir en train de prier partout ici. Sans être productive. Et tu penses que quand tu me demandes de l'argent, tous tes problèmes vont disparaître. Un peu d'argent pour aller en consultation. Et qu'est-ce que tu vas aller consulter? Qu'est-ce que tu vas exactement consulter? Je te ferai un transfert. Papa, donc Patience t'a appelé pour faire rapport. Papa, le vrai problème avec tout ça, c'est que je n'ai plus la capacité de cautionner sa paresse. Je peux pas. Et aussi, un autre aspect des problèmes, c'est une demande excessive de sexe. Oui, c'est un problème. Je sais qu'elle n'est pas Dieu.
Mais aide-toi, le ciel te dira. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Papa, papa, s'il vous plaît, écoutez, hein, je lui ai déjà dit ce qui se passe dans ma tête. Et papa, je ne veux plus en parler. Si elle ne veut pas ça, alors on doit trouver une autre alternative. Je ne veux plus en parler, papa. Personne ne peut me dire comment je vais diriger ma vie. Car elle m'appartient. Et je suis la seule et l'unique personne sur cette terre qui sent comment je suis en train de ressentir. Et papa, regardez, vous savez, si elle m'accusait encore chez vous, si elle osait encore venir m'accuser auprès de vous, alors ça sera très compliqué. Je ne le ferai pas. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Et je suis vraiment clair, oh papa, je suis clair. Il n'est même pas important qu'elle vienne m'accuser auprès de vous, parce que c'est elle la cause de tous ces problèmes, c'est elle. Je vous ai écouté. Je vous écoute, papa. Papa, je vous ai écouté. Je vous écoute, papa. Qu'elle ose encore vous appeler m'accusant. Merci. Et tu es là en train de faire. Pourquoi est-ce qu'elle t'accuse? Quand c'est toi la cause de tous les problèmes? Tu es paresseuse, incapable de faire quelque chose. Oui, je sais que je suis la raison qui fait que tu ne puisses pas travailler comme ça. Mais je pensais que tu avais une tête. Qu'est-ce que je fais ici? N'importe quoi. Je n'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. J'en ai pas. Tu sais, ce que tu as fait avec cette boutique, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment fier de toi. Merci. Mais tu sais, c'est toi qui m'impressionne. Ce n'est que les débuts. Ok. Tu es vraiment une travailleuse. Et j'aime ça. Et j'ai la volonté de faire plus pour toi. Tu es un bon chéri. D'abord, tu remplis tous mes poches. En plus, tu me fais vraiment du bien. Tu es très belle. Une grande bosseuse. On t'a déjà dit que ton charme est très magnifique. Honnêtement, je me sens vraiment connecté à toi émotionnellement. Je sais que je ne peux jamais avoir une copie de toi. Pensons à cela. Ok. Merci, mais... Non, merci. C'est un peu compliqué. Tu es un homme marié. Je ne veux plus que cela se répète, s'il te plaît. Je t'en prie. Belle dame. Je sais exactement d'où tu viens. Mais tu sais, j'ai vraiment beaucoup de sentiments pour toi. Ça vient vraiment du fond de mon cœur. J'aurais vraiment voulu que tu le comprennes comme cela. Ce n'est pas pour le sexe. En fait, ce n'est pas pour ça. Crois-moi. Ce n'est pas à propos de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-on juste arrêter d'en parler? Tu peux me voir comme un homme marié. Mais... Et si j'étais gérée dans ce mariage, alors crois-moi que je t'aurais menti. Nous sommes tous des humains. Dans la vie, nous prenons tous une décision.
Mais ces décisions ne nous finissent jamais. Il y a deux fois où la personne se sent suffisamment seule. C'est peut-être après que tu vas corriger toutes ces mauvaises décisions prises. Je voudrais vraiment faire de toi ma femme. Mais tu étais heureux dans ton mariage avant de me rencontrer. Alors si je te disais que ce n'est pas vrai, vas-tu me croire? Écoute, tu peux juste changer de sujet. Je suis une femme. Alors tu dois me laisser le temps pour réfléchir. C'est bon. Je te laisse y penser. Mais promets-moi que tu vas vraiment y statuer. Pense-y. Je voudrais aussi que tu saches que j'ai rêvé de toi cette nuit. Ta femme serait en train de t'attendre. Et cet homme ici, c'est fou de ceux qui nous voient. Cette femme, par contre, doit te laisser partir. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, chérie. Aucun problème, je t'ai dit, je n'ai aucun problème. Mais c'est toi qui vas regretter plus tard, tu vas regretter. Alex, c'est tellement impossible, vraiment impossible, que tu arrives à la maison à cette heure, non! Qu'est-ce que tu veux faire? Donc tu n'as pas compris ce que je viens de dire? Pourquoi tu arrives à la maison à cette heure? Pourquoi? Je crois que tu m'as vraiment compris. Tu m'as compris. Alex! Alex, je te parle et tu entres à la maison. J'ai besoin de la réponse. Réponds-moi. Donc, quelle est la raison pour laquelle tu rentres chaque jour en retard? Non. Tu m'humilies pour cette fille. Parce qu'elle te donne tout. Qu'est-ce que je peux vraiment faire? Qu'est-ce que je peux faire juste pour corriger cette fille? Quoi? C'est bon, je vais vraiment l'éliminer. Comme c'est que tu fais, tu le trouves bien. Dans ta tête, là, tu le trouves très normal. Toi, tu essaies vraiment de me tenter. Attends, je vais te montrer moi de quel bois je me chauffe.
Honte à toi. Et en plus, tu as vraiment de l'audacité. Et même le courage là. D'ouvrir ta petite bouche et de me comparer avec elle. Oh, c'est bon. Tu veux que je te rappelle comment tu avais arrêté mon travail? Ah, tu m'as vraiment déçu. Tu m'as vraiment déçu, Alex. Mais je te conseille de venir encore la prochaine fois pendant ces heures de la nuit. Et je vais vraiment t'enseigner. Je vais t'enseigner que ce n'est pas facile de briser le cœur d'une femme. Bébé, la nourriture est déjà prête. Non, en fait, je ne suis pas intéressée. Bébé, tu n'as pas raison de refuser ma nourriture. Je ne peux pas te laisser faire ça. Et qui va me forcer d'en manger? Toi? Bébé. Je ne peux pas te laisser ruiner cette maison. Je ne peux pas te laisser ruiner notre mariage. Patience. Je suis en retard au travail. Je sais. Bébé, je suis désolée pour ce qui s'est passé la fin dernière. J'étais tellement en colère. Et cette colère était vraiment au-delà de ma force. Je t'en supplie, s'il te plaît. Tu dois vraiment manger. Pardon. Tu sais, il commence à devenir obsédé à cause de moi. Et je n'apprécie pas. N'oublie pas que cet homme est marié. Il veut te prendre pour une seconde épouse. Je sais pas, il est en train de me dire il n'est pas heureux dans ses mariages. Je lui demande, et avant moi tu faisais comment? Ça devient sérieux. Ma chérie, tu dois faire très attention. Mais s'il trouve que ça ne marche pas, il doit abandonner avant de s'engager à une autre. Mais pourquoi il continue d'être là? Ma chère, je ne peux pas accepter d'être une seconde femme aujourd'hui et à cet âge. Non. Vraiment, là tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense que je ne vais plus lui donner d'espace. Parce que je ne veux plus entendre tous ces drames. C'est bien réfléchi. J'ai mon business, je ne veux pas avoir de drames dans ma vie. Tu dois avoir raison. C'est quoi? Tu peux pas te créer des problèmes à oui, cause tu de tu vois, quoi, je ne sais moi. Hein? Tu comprends? C'est pas du tout intéressant. Voilà. Allez, oublions-les, s'il te plaît. Attends, je qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, nous allons parler de ces lotions. Tu vois ces lotions, une fois que tu l'appliques. Ma femme est vraiment en train de m'énerver. Actuellement, les femmes sont vraiment chiantes. Imagine combien elles me traitent de tous les mots. Simplement parce qu'elle m'a vu entrer dans la parcelle au même moment que Linda. La même fille dont tu m'en as parlé? Oui. Linda. En fait, elle était en train d'agir comme si elle nous avait surpris en flagrant délit. Elle ne peut être pas loin de la vérité. Ça, c'est quelle bêtise, James. Ne me dérange pas maintenant. Je suis en train de t'en parler parce que je veux que tu comprennes ma position. Je suis un homme. Je peux me marier à plusieurs femmes comme je le veux. Elle est d'ailleurs incapable de me donner un enfant et elle est la première à se plaindre. Alex, tu es mon ami, mon très bon ami, et je ne peux pas te mentir. Peu importe tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ne laisse personne ruiner ton foyer. Le changement est la seule chose constante que tu puisses faire face à cette situation. C'est un problème pour lequel tu peux t'asseoir avec elle et trouver une solution comme l'homme de la maison. Ma femme commence à devenir l'unité centrale. Oui. Et parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle peut se mettre à me gérer comme ça. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu entends au moins ce que tu dis? Ceci est un mauvais et dangereux chemin que tu essaies d'emprunter. Et même si tu es déterminé à le prendre, tu dois quand même essayer d'être en accord avec elle. Et ceci comme étant l'homme de la maison. Tu ne peux pas faire ça sous son nez. C'est vraiment humiliant. Mets-toi au moins à sa place. Est-ce qu'elle s'est déjà mise une fois à ma place? Déjà? M'a-t-elle déjà donné un enfant? Et qu'en est-il si elle n'arrive pas à me donner un enfant dans tout ce qu'elle est en train de faire? Non, c'est comme ça que ma lignée va se terminer.
Oh non, tu n'y as jamais pensé. Pas encore. Je ne veux pas que tu parles comme ça, s'il te plaît. Même si cela est médicalement prouvé qu'elle ne peut pas te donner un enfant. Je veux dire, ceci est un problème pour lequel vous devez vous mettre ensemble, discuter sur quel chemin prendre prochainement. Et si seulement ça continuait comme ça, tu vas juste finir à la tromper continuellement et puis... Et jusqu'à ruiner ta maison. C'est fait. Thank you.